Good morgen, allez Yiden, les tuches aujourd'hui, le Nishmat Richaron Ben Fortune Mazal, Claude Israq Ben Fortune Mazal, et Avraham Ben Shushan. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Misha, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions Maserhet Rosh Hashanah, Perek Bet Mishnachet. Vous inquiétez pas, c'est pas un micro, c'est un soleil, vous allez tout comprendre dans quelques minutes. Dmout Tsurot Levanot, Ayulo le Rabban Gamliel Betavla, ou Bakotel Baliato. Chebahen malre et aediotot, Omer laen, akaze raïta, okaze. Maase chebaouchna im amrou raïnou shacharit, bamizrach varvit be maharav. Amar rabbi yochanan ben nouri, et le shekerem, chebaoule yavne, kiblan rabban gamliel. Veod baouchna im ve amrou raïnou ou bismano, ou beleli bourro, l'onira. Ve kiblan rabban gamliel. Amar rabbi dosa ben orkinas. Et de Shekeren, Ech Medina Nisha, Sheyalda, ou le Machar Keresa Ben Shinea, Amarlo Rabbi Yoshua, Roe Ani et Devarecha. Je commence à traduire la Mishnah et après on fera un petit exposé du cycle du soleil, parce que je vous ai prévu, Bezot Hashem, avec tout ce qu'on a à la maison, on a trouvé un soleil jaune, on a trouvé une lune avec la face éclairée et la face noire, on a même trouvé un super globe. Avec Samia Akabaï, c'est parfait parce que j'avais besoin des yeux pour que vous compreniez qu'est-ce que c'est l'Est et l'Ouest en fait. D'accord? On va tout expliquer, mais pour le moment, d'abord, je commence à traduire la première partie de la Mishnah, elle est facile. Je crois même que je vais d'ailleurs traduire toute la Mishnah. Et après, on expliquera le sens. Dmout Tsurot Levanot. Rabban Gamliel, il avait des formes. Dmout, des apparences. Quoi. D'accord, des formes qui étaient en forme. De lune. Rabban Gamliel, c'était le Avbeddin. C'était lui qui recevait les témoins. Et pour les témoignages. Et donc, Ayou. J'ai mal coupé ma phrase. Il avait des formes de lune. Ayou, le Rabban Gamliel. Il avait Rabban Gamliel Batavla sur un tableau. Ou Bakotel, Baliatoi aussi sur un mur dans sa Aliyah, dans son grenier. Shebaen mar'e et ha'ediotot, que par elle, il les montrait aux ediotot, aux gens simples, c'est-à-dire aux témoins qui venaient témoigner. Je ne sais pas pourquoi on les appelait les ediotot cette fois-ci, c'est intéressant, je ne me suis même pas posé la question. Anashim pshutim, ah oui, d'accord, ben, c'est fait exprès. Les gens qui n'étaient pas trop, qui ne suivaient pas les super cours, on a tout exposé le cycle lunaire. Donc du coup, pour les embrouiller un petit peu, il leur posait des questions. Pour les déstabiliser, puis après, pour vérifier est-ce que c'était vrai ce qu'ils témoignaient. Véomer, il leur disait, « Akazé raïta okazé, est-ce que tu as vu la lune comme ci ou comme ça ?» Tu as vu, grossièrement, la forme du croissant, il était orienté dans ce sens ou dans l'autre sens. Ouais, vous savez bien que en début du mois, comme ça on a appris qu'on était petit, vous voyez le croissant de lune, vous mettez un trait des deux pics de la lune, et ça vous fait un D. Ça vous dit que c'est le début. Alors que si c'est la fin du mois, ça peut ressembler, si vous mettez un trait, ça peut faire plutôt un F. D'accord? Entre le D et le F. Début, fin. En hébreu, vous allez dire R, ça fait comme un Roche, Roche Rodesh. D'accord? J'ai pas pour la suite. Et quoi? Donc, maintenant, et donc il leur dit, vous avez vu la lune comme ci, comme ça, il leur posait plein de questions, plus précisément. Et... Maase, alors maintenant, d'accord. Akazeraita ou Kazé, ça c'était une introduction. Maase Shebaou Shnaim, il y a eu une fois où deux témoins sont venus. Ve'amro, ils ont dit Ra'inu Shacharit Bamizrach, on l'a vu ce matin à l'est. Ve'arvit Bamaharav, et le soir, au coucher du soleil qui a suivi, on l'a vu à l'ouest. Genre, la nuit précédente, on l'a vu qu'elle était à l'est. Et la nuit d'après, on a vu la lune à l'ouest. Le soir, elle est tombée du soir d'après. Donc, bon, jusqu'au on va expliquer ensuite. S'ils l'ont vu ce matin à l'est, ça signifie, au petit matin de la nuit précédente, ça signifie qu'en fait le mois était en train de se terminer, et quand ils l'ont vu la nuit d'après qu'elle était déjà à l'ouest au coucher du soleil, eh bien ça signifie que le mois a débuté. Sauf qu'il y a un problème, c'est que la lune elle est partie trop vite. Et malgré tout, Amar Rabbi Yochanan ben Nouri, et Rabbi Yochanan ben Nouri elle a dit directement, et des shekerem, c'est des menteurs. Chez Baoul et Yavne, et pourtant quand ils sont arrivés à Yavne, Kiblan Rabban Gamliel, Rabban Gamliel les a reçus. On va expliquer
J'hésite à vous le dire tout de suite. Ouf, allez, je continue la Mishnah, après on reprend, après on va tout exposer tout d'un coup. Ode, ah, mais non, ça c'était une première histoire, et on expliquera ensuite, on rapportera ensuite la réponse de Rabban Gamliel qui leur a dit. Pourquoi, malgré tout, il les a acceptés? En fait, ils ont dit quelque chose, qu'en fait, leur manière de témoigner que si le matin tu la vois à l'est, le soir tu la vois à l'est, la lune elle est partie trop vite, elle a un minimum de temps à prendre pour passer de l'est à l'ouest, donc, en théorie c'était faux, et malgré tout Rabban Gamliel il les a reçus. Je vous dis directement une des propositions qui est dite dans le Barthénora, c'est parce qu'en fait, il y a deux propositions. Lui rapporte peut-être qu'en fait, en réalité, ce qu'ils ont vu le matin, c'était pas réellement la lune, c'était un nuage qui avait une forme de lune. Mais logiquement, c'est la deuxième réponse. C'est-à-dire, en fait, Rabban Gamliel, selon son calcul, c'est sûr que lorsqu'ils témoignent qu'ils ont vu pour la nuit suivante la lune, selon le calcul de Rabban Gamliel, c'était un vrai calcul. C'était réel. Et donc, forcément, ce qu'ils ont vu le matin, qu'ils l'ont vu à l'est, c'est qu'apparemment, il y avait une petite erreur. Ils ont mal vu, ils ont vu un nuage qui avait une forme de lune, mais c'est pas grave, d'accord? Comme si vous venez témoigner deux choses, et ce qui m'intéresse, c'est la deuxième chose que vous dites, la première chose, de mon point de vue, c'est pas grave, vous avez vu n'importe quoi, c'est pas mon problème, l'essentiel, c'est qu'il a témoigné le bon témoignage. Ensuite, Ve'od Ba'u, Shnaim Ve'amru, et ensuite, il y a une autre histoire, il y a eu deux témoins qui sont venus témoigner, et qui ont dit, Ra'inu Bizmano, on l'a vu lorsqu'il a fallu la voir, la nuit du 30, mais figure-toi que, Belel Iburo, et le lendemain, qui aurait dû être le 31, donc, puisqu'on a dit, on a vu le jour d'après, le lendemain, la nuit suivante, eh bien, figure-toi que l'Onira, on l'a pas revu. On l'a cherché, on l'a plus vu. Mais qui blâme Rabban Gamliel, et malgré tout, Rabban Gamliel, il les a reçus, les témoignages. Et sur ça, alors là, on va avoir une longue histoire dans la prochaine Mishnah, même, en rapport à ça. Et Amar Bidosa ben Arkinas, Rabbi Dosa ben Arkinas, il a hurlé, là, il a dit, et des shekeren, c'est des menteurs, c'est pas possible. Echmedin al-Aisha chez Yalda, ou le Machar Kresa Ben Shinéa, comment peuvent-ils se permettre de témoigner d'une femme sur une femme qui a accouché, et le lendemain, on voit que finalement, Kresa Ben Shinéa a encore son ventre entre les dents, c'est-à-dire entre ses jambes. En fait, elle est encore enceinte. Genre, on a témoigné que, ouais, Sarah, elle est partie accoucher. On a vu son petit. Et puis le soir, on voit Sarah qu'elle est encore grosse, quoi. Le petit, il est rentré dans le ventre. Comment on fait une chose pareille? Comment tu peux voir que tu dis que tu as vu la lune un soir, et le lendemain soir, tu ne revois plus la lune, si tu as commencé à voir la lune, ça y est, tu vas la voir tous les soirs. Et sur ça, et Rabban Gamliel, il les a quand même reçus. Et on expliquera ensuite pourquoi. Amar lo Rabbi Yoshua, et il lui a rétorqué Rabbi Yoshua, il lui a dit, Roé ani dvarecha, t'as raison, c'est sûr que tu as raison. Et là, de nouveau, alors Rabban Gamliel, lui, il avait une excuse. Pourquoi, malgré tout, il a vu? Pour lui, Rabban Gamliel, de nouveau, quand il a reçu les témoignages, c'est parce que concrètement, selon son calcul, ils avaient des calculs astronomiques. Au sens simple des calculs d'astronomie pour savoir exactement la Lune où est-ce qu'elle était à chaque instant selon la période de l'année. Selon là, ils avaient des calculs phénoménaux pendant des générations. À Israël, on avait une massorette pour calculer exactement l'emplacement de la Lune à chaque endroit. Ça traite longuement dans ça, dans plusieurs livres qui ont été écrits, dans le Razonich notamment, avec de la trigonométrie très poussée. Le Gaon de Vilna aussi. Et le Levouche, il a écrit un livre, le Rambam, il y a dans le Kiddush HaKodesh. On avait des calculs exacts pour savoir à quel moment la Lune allait se renouveler. Et selon ce principe, Rabban Gamliel savait pertinemment que lorsqu'ils témoignent qu'ils ont vu la Lune, c'était réel selon ce calcul. Maintenant, ils disent que le lendemain, ils n'ont pas vu, alors il y a peut-être mille et une raisons pourquoi ils n'ont pas vu. Peut-être qu'ils avaient les yeux sales, peut-être qu'il y avait des nuages qu'ils n'ont pas bien vus à l'horizon. Peut-être, j'en sais rien, c'est pas mon problème. Moi, mon but, l'essentiel pour moi, c'est qu'ils témoignent qu'ils ont vu la Lune. Et effectivement, il y avait la Lune. Je sais selon mes calculs, ils divinent et ils affirment qu'ils ont vu la Lune. Donc c'est pour ça que Rabban Gamliel les a reçus. Voilà pour la traduction de la Mishnah. Maintenant, on va un petit peu mieux expliquer le cycle lunaire. On l'a déjà expliqué, mais je ne sais pas si vous m'avez suivi. Aujourd'hui, je vais essayer, Bezrat Hashem, de le rendre un petit peu plus vivant, tout ça. Bezrat Hashem, j'espère. Tant bien que mal. Et je vais me poser mon livre une seconde de côté. Attention avec tous les fils et tous les matériaux, là. Mais voilà, on va poser ça ici. Et on commence à expliquer un petit peu mieux le cycle lunaire. Alors là, bien sûr, vous avez bien vu, ça c'est un soleil, c'est jaune. Dommage qu'il n'était pas plus gros, mais c'est pas grave parce qu'il est très très loin. Ça, c'est mon globe de la Terre qui tourne dans ce sens. D'accord? Pour le moment, je ne fais pas encore entrer la ligne en ligne de compte. Ce qui m'intéresse, moi, pour le moment, c'est Sami Akabaï, là. Vous voyez ses yeux? C'est mon référentiel. Mon problème, c'est que j'en ai deux. Dommage que j'en ai pas caché un, mais en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est on va en prendre un seul, d'accord? Imaginez qu'il n'y a que lui.
D'abord, je vais vous expliquer. C'est quoi voir le soleil au coucher du soleil ou le matin d'abord, quelque chose de très simple. Regardez, là pour l'instant, c'est minuit, c'est midi. Okay, c'est les yeux de Samy là. Ouais, Samy Akabaï, vous connaissez? Samy Akabaï. Samy le pompier en français, je crois que ça se dit. Donc lui, là, il a le soleil en plein sur la tête, parce qu'en ce moment, c'est midi. La Terre continue à tourner sur elle-même. Elle tourne, là, jusqu'au moment où le soleil, donc il continue, il voit le soleil qui va partir vers l'ouest. En réalité, il ne part pas à l'ouest, c'est lui qui tourne. Il tourne. En tout cas, qu'en ce moment, je ne sais pas où ils en sont, ses yeux. Ils sont là, ils voient là, ils commencent à le voir à l'horizon. Là, c'est le coucher du soleil en ce moment-là. Là, ça y est, le soleil, il a disparu de l'horizon parce que selon sa ligne, il ne réussit plus à le voir. Et là, maintenant, il commence à entrer dans la nuit. La nuit, il continue à tourner. D'accord, on a dit ça, c'est Samy Akabaï, mais Samy Akabaï, l'américain, mais lui, c'est lui le français. D'accord, il est de l'autre côté, pour le moment, il est en pleine nuit. Et puis là, regardez là, là, il est en face à moi. Et puis d'un coup, il commence à voir à l'horizon qu'il y a de la lumière. Là, et puis d'un coup, il commence à voir le soleil qui commence à pointer à l'est. Il commence à pointer à l'est. Et il continue sa journée. Et donc la Terre, elle fait comme ça, un tour de tous les 24 heures, elle fait un tour d'elle-même avec Samy le français et Samy de Los Angeles. Ils sont tous les deux là, chacun ils sont là. Et donc, ils voient tantôt jour, tantôt nuit. Ça, c'est d'abord le cycle de base. Ok, la Terre fait comme ça le tour du Soleil en ellipse, en 365 jours, un quart. On continue. Maintenant, on va entrer la Lune. Attention, ça va un petit peu plus compliqué, parce que dans la Lune, en fait, ce qui va se passer, c'est que on va être confronté avec la Lune qui fait le tour sur elle-même en 29 jours, 12 heures et Tashtag, captitude de Tashtag, comme on l'a expliqué plusieurs fois. La Lune, elle fait comme ça le tour. Ça signifie qu'en fait, d'accord, elle fait le tour comme ça elle-même, mais pendant que la Lune, elle fait le tour, la Terre, elle continue aussi à tourner. Donc du coup, en fait, Samy, là, le petit Samy Akabaï, le français, là, ouais, il y en a un qui a un petit peu de feutre sur lui. Lui, il n'a pas de feutre. Ça, c'est Samy Akabaï, le français. Pour le moment, en pleine journée, bien évidemment, il ne peut pas voir la Lune, il est complètement ébloui. Concrètement, si le Soleil disparaissait, alors il verrait qu'il y aurait un petit croissant de Lune, mais pour le moment, il ne peut pas l'avoir. Là, va arriver la nuit, le Soleil disparaît, et pour le moment, qu'est-ce qu'il voit à l'ouest? Il voit la Lune qui est en début de cycle. Et à un moment de la nuit, ça y est, même la Lune, elle a disparu complètement. Il passe une nuit bien noire jusqu'au petit matin où il va voir le Soleil qui va se lever, et la Lune, il ne va pas l'avoir parce qu'il est ébloui par la lumière du Soleil. D'accord? De manière générale. Maintenant, la Lune, on va se concentrer maintenant un peu plus sur la Lune. La Lune, elle fait un tour comme ça, regardez. Bien sûr, quand on voit la Lune, elle est constamment à moitié éclairée et constamment à moitié sombre. Sauf que la Lune, elle reçoit la lumière du Soleil, donc si le Soleil, il lui frappe dessus, et à la face éclairée, si on avait moyen de partir là de ce côté, on verrait la Lune toute blanche, constamment en pleine Lune. Seulement, nous, on est de la Terre. Là, de votre place, par exemple, vous voyez la Lune que, à moitié, vous avez un demi-croissant, d'accord? Là, face à la caméra. Pareil pour Samy Akabaï. Lui, de ce côté-là, il voit la Lune qui est en petit... qui est en croissant, comme ça, un petit peu épais. Pourquoi? Parce qu'il voit en fait que cette petite partie-là, comme ça. Imaginez que vous prenez une photo, là, vous allez voir que cette petite partie. Là, c'est la Lune, ok? C'est clair? La Lune, elle fait le tour, comme ça, de la Terre, en 29 jours. 30 jours, allez, on va dire 30 jours, d'accord? 29 jours et demi. Elle fait le tour comme ça, tous les 29 jours et demi. Lorsque la Lune se retrouve ici maintenant, elle se retrouve ici, alors c'est qu'elle est en fin de cycle. Dès qu'elle va passer ici dans l'axe entre la Terre et le Soleil, eh bien, elle démarre son nouveau cycle. En théorie, c'est Rosh Chodesh. Concrètement, ce sera Rosh Chodesh que quand on verra depuis la Terre, on verra le renouvellement lunaire. Alors regardez d'abord une notion essentielle. Toujours. On ne vit plus tellement avec les astres à notre époque, on a des montres et on vit en un calendrier, mais il faut bien comprendre, j'ai ma belle-mère a une super exposition vers le sud et l'ouest de Jérusalem avec tout dégagé devant elle. Et c'est la première fois de sa vie que maintenant elle a l'occasion de remarquer qu'il y a un cycle dans la Lune. Des fois elle voit la Lune au coucher du soleil, des fois elle la voit en plein milieu du ciel, des fois elle ne la voit pas, en fait quand elle ne la voit pas c'est parce qu'elle va la voir au petit matin. Ce qui se passe c'est très simple. On a dit que lorsque la Lune passe ici, ça commence, on commence le nouveau cycle lunaire. Ok? Si on commence maintenant le nouveau cycle lunaire, ça signifie que maintenant,
Regardez, on va avoir la lune et le soleil, la lune et le soleil qui sont plus ou moins dans le même espace. Depuis la Terre, ils sont tous en ce moment du même côté. Pour le moment, on ne peut pas l'avoir parce que depuis la Terre, le croissant il est tout petit. Mais il va y avoir un moment du coucher du soleil où le soleil va disparaître. Mais pour le moment, la lune elle est encore dans l'axe de pouvoir la voir. Et là, d'un coup, depuis la Terre, là, mon petit ami Samy, eh bien, il est en train de voir un tout petit croissant lunaire. Juste après le coucher du soleil, ou pendant le coucher du soleil, quand tout devenait tout rouge à l'horizon, à l'ouest en l'occurrence, puisque c'est à sa droite là-bas, ouais, il est en train de tourner comme ça, et là il voit une fois que la lune est couchée, une fois que le soleil est couché, il commence à voir un tout petit croissant lunaire. Ça va durer ça pendant une petite heure, même pas, et puis directement, la lune va disparaître de l'horizon. Ça signifie qu'au début du mois, la lune, on la voit au coucher du soleil, proche dans la première partie de la nuit. La nuit, la lune ensuite, elle va continuer son cycle. Par exemple, le 7 du mois, elle va être ici. Du coup, l'ami Samy Akabai, là, en pleine nuit, il va voir la lune, ça va être un demi-croissant. Donc en fait, s'il veut suivre le cycle, à midi pour le moment, à midi, il va commencer à voir le soleil sur la tête, ouais, il est là, il voit le soleil sur la tête. Et puis, s'il fait attention, s'il regarde bien, bien, bien à l'est, il va voir qu'il y a la moitié de la lune qui est déjà en train de se lever, depuis midi à peu près. Et doucement, doucement, il va avoir le soleil qui va partir vers l'ouest, mais la lune qui va lui rester en pleine tête, jusqu'au coucher maintenant du soleil, où là, il est arrivé, j'imagine, je sais pas, j'imagine qu'il est à peu près là, quoi. Là, le soleil s'est couché à l'ouest, et au moment du coucher du soleil, il va avoir la lune en pleine tête, sur la tête. Elle va rester avec lui jusqu'à la moitié de la nuit, et puis, à la moitié de la nuit, la lune va se coucher à l'ouest, elle va disparaître. Le 15 du mois, qu'est-ce qui se passe? Regardez, la Lune, elle est arrivée ici. C'est pour ça que depuis la Terre, on la voit, je crois que je vais un peu trop éloigner la caméra, c'est pour ça que depuis la Terre, on la voit avec la face entièrement éclairée, parce qu'elle reçoit toute la lumière du Soleil. Entre parenthèses, on avait parlé de l'éclipse lunaire, c'est au moment où la Lune, elle va continuer sa trajectoire, son tour, elle va passer un moment, si elle passe sur le même axe entre la Terre et le Soleil, elle est sur un même axe, là d'un coup, sa face claire, elle va devenir toute noire, parce qu'on ne va pas la voir. Le soleil, la lune, la Terre lui cache sa lumière. Ça va durer ça pendant, je ne sais pas, une heure, je ne sais pas exactement combien, jusqu'à qu'elle va continuer, et puis d'un coup, on va la voir réapparaître entièrement en pleine lune. Et on sera au moment de la pleine lune. Quand on ne voit pas d'éclipse lunaire, c'est parce que finalement, la lune, elle fait le cycle, mais des fois, elle peut monter un peu, des fois, elle peut descendre, des fois, elle fait le tour de la Terre, mais pas sur un axe. D'ailleurs, c'est jamais un rond exact, c'est toujours en ellipse. Et puis des fois, ça peut monter un peu plus. Donc si elle monte un peu plus, la Terre, cette fois-ci, elle n'aura pas d'éclipse. Je crois que c'est constamment que ça varie. Ça varie, c'est pas aussi net. Ça ne suit pas toujours le même axe exact. D'accord? C'est-à-dire, on est toujours sur un certain intervalle. Des fois un peu plus haut, des fois un peu plus bas. Je continue. En pleine lune, le 15 du mois maintenant, on a la Lune qui est là, puisque c'est pour ça d'ailleurs qu'on la voit en pleine Lune. Regardez mon ami Samy Akabai. Midi, bien sûr, il n'était pas question de voir la Lune, il était en plein avec le Soleil. Arrive maintenant, c'est le moment du coucher du Soleil, le Soleil disparaît pour lui à l'horizon. Qu'est-ce qu'il regarde à gauche? Au même moment où le soleil se couche, il voit la lune qui se lève à l'est. Et là, il va faire tout, il va voir la lune durant toute la nuit. Il va continuer son tour. Il continue son tour. À minuit, Khatsotlaïla, il va avoir la lune en pleine tête. Il continue son tour. Va arriver le petit matin suivant. À l'approche du petit matin, la lune va disparaître, parce que lui, maintenant, l'ouest, c'est par là. La lune va disparaître à l'ouest. Tandis qu'il va voir le soleil se lever à l'est. Et il continue au soleil, et là il arrive à midi. Et là, ça va être à peu près le 22-23 du mois, même principe, comme on a expliqué. Et puis, vers le 29 du mois, alors on a la lune qui est arrivée ici. Donc, si on a bien suivi l'explication, regardez ce qui se passe. Au moment, quand est-ce qu'il va voir la lune? Il va presque pas voir la lune, parce que pour le moment c'est midi, en plus de ça, en pleine journée, on peut pas voir la lune quand on est un tout petit croissant, il faut qu'elle soit au moins un bon quart, ou je sais pas. Donc, pour le moment, il va pas pouvoir voir la Lune, en pleine journée, là, il est à midi, il voit pas la Lune, il fait le tour, là, le Soleil passe une nuit noire, parce qu'il n'y a pas de Lune, on est vers la fin du mois, il n'y a pas du tout de Lune, durant tout le tour de la nuit, jusqu'à qu'il va arriver là, vers le petit matin, à peu près une heure avant le net, plus ou moins, ou une heure et demie avant le net, là, il va commencer à voir se pointer à l'horizon, à l'est, il va commencer à voir la lune
qui va, voilà, là je l'ai mis en bonne, toujours la lune, elle a toujours la face éclairée vers le soleil, qu'on soit clair. Donc maintenant, il voit à l'horizon, un petit croissant, cette fois-ci le croissant il va être de l'autre côté, vers le lever du matin, il va voir justement cette petite, ce petit, voilà on y arrive, il va voir ce petit croissant, là qu'il va avoir, donc ça va être cette fois-ci, ça va être comme cette fois-ci, c'est plus un dé, c'est au contraire une fin, et là il va voir le soleil à peu près une heure avant le lever du soleil, et puis après le soleil il va être tellement éblouissant que la lune il va même plus la voir, donc il va plus voir la lune. En théorie, durant toute la journée, s'il avait moyen, il verrait que la Lune, elle est constamment à proximité du Soleil. Lui, il continue sa trajectoire. À midi, il a le Soleil sur la tête et la Lune qui est un petit peu plus à sa droite. La Lune, pendant ça, elle continue sa trajectoire de nouveau. Mais très très légèrement, parce que si elle met 30 jours pour faire un tour, d'accord, donc il y a 360 degrés pour 30 jours, ça fait l'équivalent de 12 degrés plus ou moins par jour. Elle avance de 12 degrés, 12 degrés, 12 degrés, 12 degrés, 12 degrés. En fait, il s'avère que, on a eu des témoins maintenant, on reprend maintenant sur la propos, ce qu'il a dit, les témoins de Rabban Gamliel. Ils ont dit, ouais, quand on est arrivé ici au petit matin du 29, on a vu la lune à l'ouest. D'accord? Donc, on a, à l'est plutôt. Juste avant le lever du soleil, on a vu la lune à l'est. C'est normal, on était le 29. Et puis, il nous assure que le soir suivant, au moment du coucher du soleil, donc comme maintenant l'ami Samy, il est arrivé ici, la lune, elle était déjà arrivée ici. Elle était déjà arrivée ici, et c'est pour ça qu'ils ont déjà à l'avoir Noël. Mais là, elle a fait un axe beaucoup trop grand. Ça prend pas autant, ça peut pas aller aussi rapidement d'avoir la lune qui est au matin à l'ouest, et le soir qui est déjà passé à l'est. C'est-à-dire le matin qui est à l'est, le matin à l'est, d'accord, parce qu'en fait, elle a pas encore passé l'axe, donc on est encore vers la fin du mois. Et puis, là, le soir, elle est déjà arrivée là, que tu puisses déjà la voir, même si elle a passé l'axe, tu vas avoir presque une face presque toute noire, tu vas presque pas la voir, jusqu'à qu'elle va commencer un petit peu plus sa trajectoire. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il leur a rétorqué, c'était qui déjà? Rabbi Yehoshua, je crois. Non, c'était le premier, c'était Rabbi Hanan ben Nouri, qui a dit, il y a des shakers, tu peux pas voir. Le matin, tu vois la lune, au petit matin, tu vois la lune qui est à l'est. Et puis le soir, tu vas voir qu'elle est déjà arrivée à l'ouest, c'est impossible ton histoire. Ok? Même principe aussi avec le. Et Rabban Gamliel, comme on a expliqué, il a malgré tout accepté leur témoignage, parce qu'il s'est dit peut-être que réellement, selon son calcul, c'est sûr que la Lune, elle devait réellement être là, et lorsqu'ils affirment qu'ils ont vu quelque chose ici, c'était des bêtises, parce qu'ils n'ont rien vu, peut-être qu'ils ont vu un nuage qui leur donnait une forme de Lune, mais ce n'était pas la Lune. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, c'est qu'après, vous imaginez bien, le deuxième problème, il est encore plus violent. Parce qu'ils nous disent, ouais, on l'a vu le soir de la nuit du 30, on a vu qu'il y avait déjà eu le renouvellement lunaire. Donc ils ont vu la lune, elle était comme ça plutôt. Elle était comme ça, toujours éclairée face au soleil. Eux, la Terre, elle était là. Ils ont vu la petite face. Ils ont vu le petit croissant lunaire. Bon, ben, très bien. Alors maintenant, la lune, elle commençait sa trajectoire. La nuit suivante, elle a continué à avancer de 12 degrés. Tu devrais la voir encore plus grosse. Qu'est-ce qu'ils racontent? Non, ils l'ont plus vue. Elle était partie en arrière. Comment c'est possible une chose pareille? La Lune, elle a son ellipse, comme ça, elle avance sans arrêt autour de la Terre. Comment tu peux raconter que tu l'as plus vue? Donc ils n'ont pas voulu le recevoir. Et de nouveau, comme on a expliqué, Rabban Gamliel, il a malgré tout reçu le témoignage, parce que pour lui, la Lune, elle était réellement là. Et lorsqu'ils disent qu'ils ont vu Rabban Gamliel, il sait qu'ils disent vrai. Et lorsqu'après, ils disent qu'ils n'ont pas vu le sujet de l'ascension, c'est qu'apparemment, il y avait un nuage, une brume qui cachait la Lune, c'est pour ça qu'ils l'ont pas vu. D'accord? Et voilà, j'espère que c'est assez clair. C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, c'est là.